Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de mon let's play sur le jeu Lies and Dark Waters. Wouhou, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu mes amis, ça doit faire au moins 5 semaines, puisque la semaine dernière vous n'avez pas eu votre épisode quotidien, je suis désolé. La reprise a été très dure et j'ai eu du mal à m'y remettre. J'ai eu la flemme le dimanche de tourner. Et le souci, c'est que comme je rentre à 20h, eh bien, tourner un épisode d'1h30, c'est assez épique. Bref, nous sommes le 11 septembre 2014, pour vous dire, je viens de rentrer du travail. Et je me suis dit, allez, Blarkan, si tu continues, tu vas jamais pouvoir sortir du Ryzen, alors tu prends un petit peu sur toi et tu tournes de l'épisode. Et pour commencer l'épisode, rien de mieux qu'un combat de jaguar. Allez, aïe, t'arrêtes de me taper. Allez, crève. Crève et crève. Non mais sans belle. Ouh yeah, hein. Le jaguar, c'est bon pour la santé. Et on est en train de visiter plein de choses. Notamment cette zone-là. Alors, je sais plus trop jouer, hein. Je vous le dis. Alors, je vais sûrement me tromper dans les boutons. Alors, où est-ce qu'on est, là? Alors, il y avait le temple. Oui, il y avait le temple en bas. Et il y avait Alapili ou un truc comme ça qui nous attendait quelque part. Ouais. Nous on va visiter parce que ce que j'aime dans ce jeu, c'est la visitation, l'exploration des choses. Waouh, ça fait mal hein, le singe. Et voilà, ce que j'adore, voilà, c'est visiter et tuer des singes innocents qui n'ont rien demandé, si ce n'est finir au bout de mon épée. Et ça fait plaisir. Sinon, je crois que j'étais dans une quête, hein, un truc comme ça, on devait récupérer un mec. Je m'en souviens plus. Termites ! Ouh, les termites ! C'est des termites, ça. Allez, meurs, la termite ! T'es moche et pas belle ! J'aime pas trop les grottes, mais bon, on va faire autant que faire se peut, hein, vous direz. Allez, aïe. Wow. Oh, attends, j'avais pas remarqué que j'avais presque plus de vie. Me tapez pas. Oh, allez, meurs, décède, voilà, c'est bien. Oui, bah, je vais pas changer en l'espace de 2 semaines, hein, vous me direz. Enfin, en l'espace de 5 semaines, surtout. Baston. Voilà! Yeah! Oulala! Allez, meurs! T'es moche? T'es pas beau? J'aime pas les termites, j'aime pas les bestioles, j'aime pas les insectes! Vous allez tous crever! Et vous, aimez-vous les insectes? Oui, apprenez avec Blarkan comment les trucider! Wouhou! Fragment de jade. Ah, ça c'est pour l'autre. D'accord. Bah nickel. Regardez, on fait une quête. C'est vrai qu'il y a une nana qui nous avait demandé de récupérer des fragments de jade pour je sais plus quoi. Ok.
On récupère des plateaux, de l'heure. Hop là. Alors, où est-ce qu'on est, là, du coup? Où les gros? Où les gros? Où ça sert? Où ça sert? Aïe! Ouh, bah super, ça va. S'il y a des gros, là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, je vous le dis. J'ai déjà plus rien pour me soigner, alors... Ça commence mal. Commence mal, cette histoire. Hein? Pas que je crée. D'ailleurs, je vais sauvegarder. Voilà. C'est jamais. Je connais trop ce jeu. Il doit y avoir des pièges, je vais crever, je vais devoir tout recommencer. J'ai pas envie. Je vais tourner à 1h30 sans crever. Et comme ça, je serai tranquille. Oh non, 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 vous êtes sérieux? Non, 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 pas ça, hein. Ah non, non. Non, 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 non. Oula, champignon pour cul. Oh les bursts, oh les bursts. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a par là-haut? Encore des termites? Allez! 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 Allez, meurs! Meurs! Meurs, t'es décès! Allez! Merci. On va reprendre la torche. C'est vraiment... Ça, c'est un défaut que le mec, il arrive pas à tenir une torche et une épée dans chaque main, quoi. Elle est obligée de tomber. C'est pas très cool. C'est pas très ergonomique. Je suis pas fan. Aïe, méchant, méchant. Voilà. Eh ben, c'est pas mal, cet épisode sur la chasse aux termites. Moi, je kiffe. Alors, où est-ce qu'on est, là, du coup? Oh là là. Oh là là. Là, il y en a deux, là. Là, il y en a deux, c'est... Ah, bon signe. C'est vraiment pas bon signe. Ah, il y en a trois? Vous êtes sérieux? Bonjour. Ah, ah, mauvaise touche, mauvaise touche. Oh, au secours, casse-toi, 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 casse-toi. Oh là là, oh là là. Allez, t'es toute seule, toi. T'es toute seule, c'est parfait. Divise, aïe, pour mieux régner. Et voilà. Et de 1. Elle est où, ma torche? Je suis stressé, moi, dans ce jeu. Je me sens pas bien. Ça me fait des convulsions. Allez, viens, mon gros. Tu sais pas monter à une pente? Allez, dépêche-toi. Ouh. Lance pas des boboles, hein. Les boboles vertes, c'est pas bon. Aïe. Wow, 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 restez, restez où vous êtes. Ça fait mal, ces conneries. Ah, j'ai plus rien pour me soigner, là, c'est pas bon signe.
Aïe, arrête de me taper. Alors là, là mes amis, je suis mal barré. Mais au moins on les a vaincus, c'est déjà bien. Et j'espère qu'il y a une super récompense, hein. Pour le moment, il n'y a rien, c'est assez frustrant. Bouton. Bouton inventaire. Inventaire, inventaire. Consommable. Pas mauvais bouton. Grog, j'en ai qu'un. Bloody Mary, c'est quoi? Antalgique. Arrête de gage, dégage, saloperie! Je vais crever! C'est quoi Bloody Mary? N'approchez pas! N'approchez pas! Allez. Oh là 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 là. J'ai peur. J'ai peur. Ah, je me trompe dans le bouton tellement je suis stressé. Oh, allez, mais rate pas les coups, toi. Allez, crête, saloperie! Ah, j'aime pas ces bestioles. J'aime pas ces bestioles, j'ai pas la lapidie et j'ai pas... et j'ai pas ma patie! D'ailleurs, Tsubasa, j'ai adoré ton jeu de mots sur patillote, c'était fabuleux. Ça m'a beaucoup plu. Arrête de me taper, toi! Crève, 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 crève! Bon, c'était par où le chemin déjà? Là, je crois que je suis arrivé par là, j'ai tué les bestioles. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. J'espère vraiment qu'il n'y en a pas d'autres. Et là, on arrive, d'accord, on a fait le tour. Mais il n'y avait absolument rien dans cette zone! C'est quoi ce truc? La grotte qui servait à rien, vous savez? Vous connaissez la grotte qui servait à rien? Je vais vous la montrer, c'est celle-là. Ah, il y avait... Ah, allez, on va les miner un petit peu. Cinq de pépites d'or. Eh ouais, bébé. Je regarde s'il n'y a pas d'autres veines, mais a priori, non. Bon, on va pouvoir se barrer, on va pouvoir se barrer.
On aura au moins visité cette grosse grotte, on l'aura pacifiée. Voilà. Et on va manger ça. Ça pourra toujours servir. Allez, on peut sortir de la grotte, ça y est. Je suis légèrement perdu là pour vous dire. Je sais pas où aller. C'est terrible. Est-ce que j'aurais pas fait le tour là? Banzai! Rappelez-moi de ne plus jamais sauter des falaises! Bon, je vais sauvegarder. Toujours par mesure de sécurité. Un champignon cocu. Ah bah non. Alors est-ce que c'est en bas ou est-ce que c'est en haut? Je sais pas. J'aimerais sortir de cette grotte des maléfismes. Ça me fait peur. J'ai l'impression de tourner en rond, mes amis. C'est terrible. Oh oh. C'est pas qu'une impression, c'est que je tourne en rond. Laissez-moi sortir. Je sais pas où je suis. Mais c'est horrible. Cet endroit est horrible. Je suis perdu. Alors, est-ce que c'est par là? On va essayer une nouvelle zone. Oh, un grog. Ah bah ça, ça fait plaisir. Et on va d'ailleurs le boire tout de suite. Ah, ça y est. Oh, un champignon cocu. Nickel. Bon, bah... nous revoilà sortis de la caverne de l'enfer. Vous le saurez, ça fait peur. Alors du coup, où est-ce qu'on doit aller? Mauvaise touche. Donc là-bas, ok. Nous, on devait repasser par là. Si je... D'accord. Bon, enfin, je sais pas trop, mais on devrait pouvoir s'affilier à tout cela. Peut-être laisser la torche tranquille. Hein. Là-bas, c'est dangereux. Et si je me rappelle bien, la Pili, il nous attendait par là-bas. Ah bah ça fait du bien de voir un peu de soleil hein, dans, là-dedans. Allez, par contre qu'est-ce qui court pas vite? J'avais complètement oublié, ça aussi c'est un point négatif. Le personnage est très lent. Oh la Pili, il est là-bas, regardez. Il nous attend, il a été bien sage. Il a pas bougé, lui, en 5 semaines. Il est toujours au taquet. Yo, la lapine. We stay together. Oui, t'inquiète pas. On reste tous les ensemble, comme d'habitude, quoi. C'est en gros, je me barre. We go now. Et quand j'ai peur, je t'appelle. D'accord? Ça te dit? We stay together. Oui, t'inquiète pas. Alors, où est-ce que tu vas? We go now. Ouh, titi. Une Bemaki. Bref, franchement, je vais par là. Alors, inventaire. Il veut être temps. Voilà. C'est juste pour avoir l'icône, la Bemaki. On va essayer de refaire le stock, là, les amis. Ça a l'air d'être dangereux, ça a l'air d'être dans la zone... non, j'y vais pas. La lapili.
come with me. Ah, I am coming. May your bones rot, monster. Eh, tu sais que j'ai cru que la chauve-souris c'était toi, là, la Pili. À un moment, j'ai eu un doute. Je me suis dit, c'est bizarre. Ah bon, bah on continue. We go now. Oui, oui, on y... Oh, un jaguar, là, la Pili. Défonce le jaguar. Tape pas, là, la Pili. Et voilà. Nickel, baby. Alors toi, tu vas par là. Bon, bah moi, je vais par là. Hein. Par contre, là-bas, ça m'a l'air d'être un piège. Vous savez ce que je vais faire? Je vais sauvegarder. Encore. Oui, pour des mesures de sécurité et de ma santé mentale, de préférence. Yep là. Alors, qu'est-ce que c'est que par là? Wow. Idol Shanagumi. Bah, nickel. Je sais pas, mais je trouve des quêtes, moi, vous savez, genre... À la Wall Again et Beast to Fly. Où est-ce que ça nous mène, ce truc? Alors, je regarde la carte marine. D'accord, ça monte. Encore des termites? Oh la vache. Eh bah, dis donc. Voilà. Alors, on continue notre petit bonhomme de chemin. Je sais pas où on est. Oulala. 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 Ah ouais, quand même. La Lapili, tu voudrais pas venir à la maison? S'il te plaît. Ah, j'en ai... Vous voulez pas venir une par une, s'il vous plaît? Ah, réellement, voilà. Voilà, voilà, c'est bien. Toute seule, toute seule, toute seule. Allez hop, viens à la maison. Viens à la maison, j'ai dit. Allez, viens. Ah, toi, t'es la petite, là. Genre, tu peux pas la rater, hein, cette inter. Arrête de me taper, toi. T'es relevé. Je suis stressé. J'ai l'impression que je vais crever tout le temps. J'ai l'impression que je vais crever tout le temps dans ce jeu. C'est abusé. Même Dark Souls, j'ai moins peur que... J'ai moins peur dans Dark Souls. Non mais il y en a combien de bestioles comme ça? Allez, viens ma grosse. Voilà, viens à la maison là, voilà. Ça fait mal. Méchant. Mauvaise botte. J'ai rien du tout, quoi. C'est chiant. Je crevais. Ah, là-bas, il y a un truc. C'est assez étonnant. Alors, ouais, des provisions, super. Là-bas, il y a un... Il y a un camp. Et où est-ce qu'on voit? D'accord, c'est sur la petite montée. Oh, il y a encore beaucoup de trucs à visiter, là, mes amis. Hein, je surkiffe, ça, c'est génial. Alors, oh, la Pili Pili, il est par là-bas. Moi, je vais par là. Oh là 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 là, où est-ce que je... Quoi, c'est la nuit, là? Pourquoi il y a du brouillard? Qu'est-ce que c'est? Ah!
arrête de me taper. Où est-ce que je suis? Ok, je suis à côté du temple, donc on va pas y aller. Puisque c'est là où il y a le grand méchant, je sais même plus comment il s'appelle. Mais il y a un grand méchant qui détient la lance titan que nous recherchons pour tuer le Kraken par rapport à notre première mission de par défaut que Barbe Noire, Barbe d'Acier nous a donné, très bien. Au moins on aura visité cette partie et on peut continuer avec notre ami la Lapilli. Ah. En fait, j'ai eu du mal à me motiver, mais maintenant que je suis dedans, je suis très très content. Ça me fait très très plaisir de rejouer à ce Ryzen. L'univers et l'ambiance m'avaient terriblement manqué. La musique aussi. Et j'espère que vous appréciez autant que moi ce let's play. Come with me. This is where I last saw Tahana. The mountain path leads to the graveyard. Okay. But if Tahana went that way, he would be back by now. D'accord. If the blue coats have him, he will be in their tower. D'accord. Come. I will show you where it is. D'accord. Bah, a priori, je crois que j'ai vu déjà la tour. Hein. Je pense que c'est... Je vois où tu veux m'emmener. Ça, c'est magnifique. C'est très beau. C'est exactement ce que j'aime. Là-bas, il y a quelque chose. Youpla! Youpi! Yahoo! Yahoo! We stay together. The path to the northwest will take you northwest. To the tower. Okay. See, there is one of the tower guards. D'accord. Maybe the Tiwaz will be with you and help you bring Tahana back. D'accord, j'y vais. Don't worry, I'll find you, brother. Ouais, a Gucho who cares about the Shaganumbi. How strange. Tu parlais de Bleu Mantel. Alors. What do you have to offer? Siaos. J'ai pas déjà une Siaos. Voyons voir. Ah si j'en ai une, d'accord. On va jouer mon assuré pour pas lui acheter des tonnes de trucs qui ne serviraient à rien. Des plumes. Tiens, je vais en prendre. Des oreilles. Des œils, des dents. Même pas. Alors. D'accord, donc en gros c'est par là. Voir le monsieur. Bonjour, bonjour. Je suis quelqu'un de totalement gentil. What we got here then? Pirate. Hey, Torres, je te connais pas toi. That a problem? Only if you're one of Crow's men, but you're not, are you? Ah, c'est Crow, voilà. You can stop and warm yourself if you like. Just don't make any trouble. Vous faites quoi ici? What are you doing out here? Guarding the prison tower. Prison tower? Yeah, just further back there. We're holding some malacca. He got picked up by a patrol. Okay. Why did you lock him up? Orders. A few days in the clink and they're soon meek as lambs. C'est pas très gentil. Get them ready for when we put them to work for us. Speaking of work, you looking to earn a bit of gold? C'est-à-dire? What do you want me to do? I'm starving, but I can't go get some food until my relief gets here. It could be ages yet, and my belly isn't going to wait that long. D'accord. So you want me to go get you food? Right, I've got this gold statue. Take it to Tito and swap it for Tito. A parcel of meat. D'accord. Tito? The butcher. He's got a place just outside Puerto Isabella. Where? Just follow the smell of the pigs and you'll find him. Ouais, d'accord. Okay. It's a deal. Great. Here's the statue. And don't take too long, all right? I'm famished. D'accord. All clear. No danger. All clear. No danger. D'accord. Alors, tiens, bah, ça tombe bien, je voulais un feu pour pouvoir me faire quelques provisions. C'est nickel. Vous voyez, j'ai pas mal de volailles crues, alors. On va en faire... 13. On va en faire...
14 et 3. Voilà. Nickel. Vous voyez, 31 provisions, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, voyons voir un peu ta tour pour aller sauver... je sais plus qui... Tahana, oui, Tahana. D'accord. Tahana. Jolie tour. Donc ça, c'est ce qu'on voyait, en fait, la tour. Ah, c'est vraiment cool, parce que... C'est un monde très ouvert, très très beau. Oui, je me répète, mais bon, que voulez-vous, je... J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça, c'est un jeu d'aventure. Ça, c'est beau. Il a des bugs... Mais c'est beau. Il y a personne pour regarder la tour, il y a que l'Odigoto. On va le défoncer. Ah, Tahana, salut. Premier combat. The Cannonball sent one of the most persistent pirate captains to the bottom of the ocean. Afterwards, it was seized by the Inquisition and taken on all their major expeditions as a good luck charm. That's worth remembering. D'accord. Encore un truc pour les objets magiques qui donnent des super pouvoirs de la mort qui tue. C'est où là, hein? Pas intérêt à sauter, Blurken. Sinon, tu vas te péter les jambes, comme d'habitude. C'est pas de ma faute. J'adore la sensation du vent entre mes cuisses. C'est pas une raison quand même. D'accord. Allez, on y va. Hey. Yo. Capuchette. Salut. Qu'est-ce qui vous est arrivé? What happened to you? No need to gloat, Cucho. I know it was my fault. Soon they'll be taking me to the stone camp. Et vous avez fait quoi? What did you do? Tahana went to the Shaganumbi graveyard. But blue coats were there. Why were you going to the graveyard? The Kikichani asked me to find an idol there. I let her down. I threw it away when I saw the blue coats. D'accord. I must find it, Cucho. Don't worry, I got it. Bah ouais, je l'ai eu. J'ai trouvé. Then it is safe from them. Good. En fait, c'est Chani qui m'envoie et je suis venu vous libérer. Chani sent me. I'm here to set you free. Ouais. Chani sent. Ouais. You? Ouais. Well, be happy about it. How do we get you out of here? The key. Kiki? The guard dropped it in the yard. I'll go look for it. L'a laissé échapper dans la tour. Careful, Cucho. Comment ça, il l'a laissé échapper dans la tour? Je comprends pas trop là. Alors. Journal. Voyons voir. L'arme des titans. La côte des épées. Marchandage. Ok, le trésor de... Alors après, le boulet de canon. L'arme de titan. Une cargaison du jade. Libérer Tahana. Quelque part dans la cour. Ah d'accord. Dans la cour, j'ai moi qui ai mal lu. Donc elle doit être par là. Bah, elle est où ta clé? Alors là, c'est comme chercher l'aiguille dans une botte de foin. La clé, il l'a laissé tomber dans la tour. Je suis perdu, moi. Je vois pas où aller, cette clé. C'est abusé. Ici, là? Je pense qu'il l'a laissé tomber ici. Bah non. Je vais aller lui reparler au mec. Je vais aller lui reparler et on va voir. Comment vous voulez voir un truc aussi petit? Je suis perplexe. Je suis perplexe. Torres, t'aurais pas perdu une clé? Et si oui, où ça? All clear, no danger. Ok. All clear, no. C'est bien, on s'en fout. T'es moche. Est-ce que tu l'aurais pas fait tomber par ici? Y'a rien du tout! Ah non, alors que c'est dans la tour!
Ça m'embête. Il l'a fait tomber où dans ta truc? Je vais spammer le bouton pour savoir. Ah bah elle est là. Eh, vous l'aviez vu? Hein, vous l'aviez vu votre truc? Si j'avais pas spammé le bouton pour avancer, vous auriez trouvé la clé? J'ai trouvé la clé. I found the key. Eh. We're getting you out and then we're going back to the Shaganumbi. What about the guard? On le défonce. Not a problem. Follow me. Chala, chala. Attends, je vérifie. Kabuki, they draw near. Allez, défonce les Torres. C'est bon là, t'es content? Here. Now, what the hell do you think you're doing? Je suis désolé. You can't free that savage. Faites comme si vous n'avez rien vu. I'm not good enough to try this yet. Ah. Essayez un peu de m'en empêcher. Maybe not. Restez en dehors de ça, d'accord? Just don't interfere, okay? Don't be daft. Now I'll have to stop you. Right. You asked for this. T'as pas un peu bugué, mec? Aïe, ça me fait mal. Ouais. Je l'ai tué? Bon, c'est bon là, ça va? T'as fini de jouer les guignols? C'est bon? You rotten bastard. Ouais. What do you have to go and do that for? Parce qu'il est gentil. You were in my way. Felt bloody personal to me. Nothing more to tell you, friend. Je crois qu'il est pas très content. Par contre, il y a un truc que je voulais voir. Ça m'a en fait enlevé ma quête. Ouais, d'accord. Donc, en fait, ça m'a annulé l'autre quête. Mince. Bon, bah, tant pis. Bon, c'était pour gagner un peu d'or, je pense. Bon, bah, tant pis. Come with me. Ok. Et je vais devoir me retaper tout le chemin jusqu'au village? T'es sérieux? Careful, Cucho. Allez, tu peux pas rentrer tout seul au village comme un grand? Voilà. J'ai pas envie de t'accompagner, moi je veux aller visiter. En plus, il y a la lapilli là par là-bas, donc il va te... Si c'est pas barré d'ailleurs. You are right, Cucho. We made it out no problems. Ouais. Then let's get going before some appear. Follow me, Cucho. I will get us there safely. Oh, mais j'ai pas envie, moi. Attends, on est arrivé par là. On est arrivé par là, hein. C'est quoi ce chemin, là? Moi, je vais par là, hein. Je viendrai te voir plus tard, mec, hein. Singe! Voilà. Bon, en tout cas, j'ai gagné, grâce à ça, j'ai gagné une statuette. Donc ça, c'est cool. Aïe! Mais... J'ai l'impression qu'ils sont balèzes, hein. J'ai l'impression d'être nul, moi. Mais dans ce jeu, c'est abusé, les coups que je dois mettre. Alors, attends. Qu'est-ce que tu fais, Blarkat?
D'accord, donc ça c'est une nouvelle zone. En bas, il y a l'air d'avoir Puerto Isabela, mais il y a toute la zone là-haut qu'on n'a pas visitée. Ok, on va d'abord aller visiter la ville. Et après, on partira par là et puis on rentrera voir Tahana si on a du temps. Ça dépendra combien de temps ça nous fait. Mais moi, je veux avoir une ville. En plus, je gagne pas grand-chose comme argent, c'est abusé, hein. Voilà. Alors, voyons voir. Donc on arrive dans une cité civilisée. Il y a différents chemins, ok. Et on va peut-être pouvoir se faire un peu les poches, enfin faire les poches ici, histoire de gagner de l'argent, parce que je suis en mode pauvre. Et d'ailleurs, tiens. Pendant que j'y suis, personnage, attribut. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse améliorer quelque chose? Comment on fait déjà? Alors là, il faut 3000. Alors 4000, j'ai fait de la ruse. Résistance. Les lames. Je vais quand même encore améliorer ma ruse, moi. Wow, 6000, t'es sérieux? Du coup, compétences. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est beau parleur. Je pense que ça va nous servir. Yo! Hey, you! Salut! The coast is crawling with pirates these days. Je suis pas un pirate. First Crow, now you. And I hear that Steelbeard himself will be landing tomorrow. Where? Steelbeard, you say? Understand this, pirate. You and your buccaneering friends have no business here. Oh, je suis gentil, t'inquiète pas. Laisse-moi entrer. Oh, come on, let me in. No. Allez. Mais t'es sérieux? Eh, hey, laisse-moi rentrer. Stop right there. Oh, l'enfoiré. Je vais le taper, je vais le tuer. Tu vas voir que je vais passer, attends. Je vais passer par en dessous. Moi. Non mais sans blague. Le mec il fait vas-y tu passes pas parce que t'es moche. Comment on fait pour aller en bas? Y a un passage secret, quelque chose que j'aurais zappé. Bonjour, bonjour. Je suis quand même le dératisateur des espèces de la zone. Wouhou. J'avais oublié qu'on pouvait faire des sauts. Là où Blarkan, les singes trépassent. Enfin, là où Blarkan passe, les singes trépassent. Alors, il y a l'air, donc nous on était là-haut. D'accord. Alors j'essaye de me faire une map dans ma tête, pour vous dire. Ce qui est assez compliqué, parce que c'est très grand. Aïe. Alors... Ah, il y a un garde aussi. Ouais, mais lui il va être gentil, il va me laisser passer. Il y a une grotte ici. Intéressant. Bonjour. Toi, t'es gentil, Martinez. Hey, what are you up to? Buggering around here. Je me balade. Stupid bastard, you'll scare away all the game. Ah bon? Qu'est-ce que vous faites ici? What are you doing here? What do you think? I'm hunting. Where I was till you scared off everything on four legs. Je les ai tous tués. I'll get that bastard Jaguar one of these days. Probably in its cave, listening to you crashing about out here. What sort of jaguar? The kind that eats stupid bastards like you. Well, I was going to offer to help you, but... What? All right. It's been troubling people here for too long. But no one knows where its lair is. But I do, though. I've tracked it down. D'accord. To a cave.
The one just over there. J'aurais présumé. Allez, t'as besoin d'aide? You need help? If you're offering it, then yeah. Follow me. D'accord. Bon, ça paraissait logique, mais bon. Toi, si je t'aide, tu vas pouvoir me laisser rentrer en ville. Tu vas être sûr. Keep your eyes open. We're not alone out here. Ok, c'est pas grave, hein. Je m'en fous, tu sais. Tu fais ce que tu veux, hein, de ta peau. Here we are. Ok. Quiet and careful from now on. You got a gun? Now's the time to get it out. D'accord. Et c'est reparti pour la cave. Droite ou gauche? Cool, une carte au trésor. Le trésor de la vallée du Jaguar. Mec, qu'est-ce que tu fais? Follow me. Things gotta be here somewhere. You go in and take care of them, okay? Genre tout seul. Allez, viens, viens, n'aie pas peur, ça va. C'est qu'un jaguar, tu sais, j'en ai tué des millions. Hein. Il est là-bas. Il est tic. Ah, au secours, au secours. Waouh, moi ça se... Oh, tu l'as défoncé, là. Et voilà, il est mort, t'as vu? C'était pas difficile. Quoi, il y en a d'autres? Eh, oh, oh. Reviens! Et qu'est-ce que tu fais? Jaguar, il est mort. The Jaguar is dead. Nice work. Tito will be pleased. Here. Bit of a reward for you. Merci. I'll go and see Tito then. D'accord. Bon, allez, c'est parti, mon kiki. On va aller quand même visiter la grotte du Jaguar. Est-ce qu'il aurait des choses intéressantes à cacher? A priori... Oh, minerai, ça c'est cool. Il est dur de travailler. Il est mal à mes doigts de pied. Mais pour 5 pépites d'or, je suis prêt à travailler. J'ai pas envie de travailler. Mais pour 5 pépites... Je vous laverai les doigts de pied. Oui, c'est ce que j'imagine dans ma tête lorsque quelqu'un travaille à miner. Voilà, c'est ça. Alors. Est-ce que je peux aller par là? Est-ce que je peux feinter le zigoto? S'il vous plaît. Et là, il n'y a rien ici. Oh! Oh yeah, baby! Super, le trésor! C'est la vallée du Jaguar. Et c'est moi ou votre écran, il est en train de clignoter? On est d'accord, l'écran est en train de clignoter. J'espère que ça va pas faire tout au long du jeu, ça va être relou. Oh, that's heavy. Chouette! Et peut-être qu'on va gagner plein d'argent. Allez, hop. Trésor! Ruby, 500, nickel, assiette, parfait, merci beaucoup. Ah, mais c'est... Ouais, voilà, c'est la torche, en fait, qui fait ça. Alors, est-ce que je peux visiter? Je peux visiter. Alors, toi, tu me laisses passer, hein, t'es gentil. T'es gentil, je suis pas un pirate. Ah si, mais voilà, tu vois, j'ai aidé l'Odigoto. Je veux passer. Where are you off to then? Je suis là pour visiter, c'est tout. I'm just here sightseeing. Sightseeing? Pull the other one, mate. It's got voodoo charms on it. Je veux juste visiter. Really? That sounds uncomfortable. Only one reason pirates ever turn up anywhere. Gold. J'ai plein d'or. So keep your hands off what's not yours and we won't give you any problems. Ouh, t'inquiète pas. All for me. Merci. Le mec, il... connaissez la région? Do you know anything about this area? Enough to know that you need to watch yourself out in that jungle valley. Why is that? Because if the animals don't eat you, the Moluccas will. Bloody savages, the lot of them.
Okay. They're cannibals? They're savages. Isn't that the same thing? Non, c'est pas la même chose. Day in, day out, always the bloody boring same. Bon, bah lui, il a été plus cool et en plus je lui ai fait les poches, donc c'est très très intéressant. Alors, voyons voir. Bonjour. Salut Webster. What is it you're after, young sir? Pistols, bullets or powder? More bangs for your buck. That's what Webster provides. Ok. Vous vendez des mousquettes? Do you sell muskets too? Ah, the noble musket. The very thing a discerning young gentleman needs by his side. But woe betide you if your weapon ends up in the wrong hands. So do you have any? Of course. But I can't sell muskets to any young gentleman who walks in off the street. I need Commandant Sebastiano's consent first. Ouais, mais il est gentil avec moi, t'inquiète pas. What's Sebastiano's consent got to do with anything? It seems the young gentleman hasn't been paying attention. The savages are giving us enough trouble as it is, to say nothing of the pirates. Okay. If they should get their dirty hands on our muskets, well, who knows what might happen. Bon, montre-moi ce que t'as, en tout cas. Voilà, on va faire un peu de... des jumeaux. Ça, je vais acheter. Voilà. Ça aussi. Hop. Mortier, ça coûte super cher, ça, ouais. Alors, est-ce que je pourrais pas te vendre des choses? Il fait combien, mon pistolet? Il fait 65. Ah ouais. Temps de recharge, 30 secondes. Plus léger qu'un pistolet classique, il a pourtant deux canons. Mortel à bout portant, très apprécié des tireurs peu expérimentés. C'est bon, bébé! Alors, attends. Je peux pas te vendre des trucs intéressants. Ça, faut que je les garde. Ça, j'aime pas vendre. Ouais. Bon, ouais, garde ton truc. Merci pour le coup de main. Alors, il faudrait que j'essaye d'accéder à ta maison. Tu voudrais pas sortir? What am I, a gunsmith? Voilà. Parce que là, du coup, je fais... Ta-na-na-na. Oh, l'art du tigre, mes amis, l'art du tigre, regardez. Il ne me voit pas, il ne m'a pas vu, et hop, son coffre, il est ouvert par bébé. Un rouet, c'est quoi ça? Mince, je voulais voir ce que c'était. Et hop là, ni vu ni connu, ichichichi. Merci pour tes objets, c'était très gentil. Et Blarkan le voleur, Blarkan est revenu. Il est là, il est beau, il attend. Des gaulets. Il y a des gaulets. Des gaulets apprivoisés. Salut. Ono Palava. Ono Palava. Alors si je me rappelle bien, Ono Palava, ça veut dire assez parlé. Ou pas le temps pour les discussions inutiles. Je vais sauvegarder quand même. On sait jamais, hein. Allez, hop là. Il y a plein de nouveaux trésors là, c'est cool. Ça fait plaisir. Ni vu ni connu. On va pas tuer les gourets apprivoisés. On sait jamais, ils pourraient me frapper. Hein? C'est quand même leur gouret. Parce qu'on y voit que dalle. C'est hallucinant. Ni vu ni connu, je continue mon périple de pillage. Oh yeah! Y'a rien à voler. Yo! Oh, Tito! Bah tiens, j'ai entendu parler de toi. Looking for Tito? That's me. Tito the Butcher. Tito the Butcher. On a besoin de bûcher ici. Butchers out here? They do if they want the best kinds of meat.
If you're hungry and have gold, then I'm your man. Ok. Vous avez que de la viande à vendre? Is meat all you've got? Aye. You can buy weapons from the smith or from Webster's. But if it's pork you're after... Just pork? Just about. It's not my fault, mate. Blame the rationing. Okay. But I can make you up a nice package. Pork steaks, pork chops, pork belly, all the good stuff. Eh, tu m'intéresses et tu me donnes faim. Très bien. Va pour une portion. Okay, I'll take a package of meat. This is just between you and me, all right? Okay. Lot de viande reçue. Bah nickel. C'est très gentil à toi. Alors, donc nous, on est arrivés par là-bas, hein. On est d'accord. J'aimerais bien voir le mec disant « Hey, salut mec, tu sais que je suis arrivé dans... dans... » C'est pas moi. Je plaide non coupable, monsieur le président. Attention! Troisième feinte. Ouais, Cooper. Cooper, fais voir ton coffre. Cooper, montre-moi ton coffre et des trésors inattendus. Alors. Ah, d'accord. Alors, hop, hop, hop. Et le dernier. Ça y est, je commence à comprendre le mécanisme. Hein. Soie et marteau. Nickel. Merci beaucoup pour tous ces équipements. Ça me fait terriblement plaisir. Yo, salut. Je suis un peu sur ta table. Hello. Hello. Yes, young fella. What is it? Vous êtes le forgeron? Are you the blacksmith? Hammer, apron, anvil. Any of that starting to say blacksmith to you? Bah ouais. Another bloody idiot. Eh, ça va, hein. Can't be any worse than those protectors, though. The state they keep their weapons in. Bloody disgrace. Ah, mais moi, j'y prends très très soin, hein. And who do they blame, huh? Who has to fix them? Hey. Pourquoi vous êtes là, les mecs? I hope you know how to behave in someone else's house. Shiny. Je me casse. Je me casse, j'ai pas le droit d'être dans la maison. C'est ça, monsieur l'agent? Mais je discutais avec le... Je peux y retourner pour discuter avec... Perhaps you're lost. I hope so. Ah, mais vous êtes relous, les mecs. Je veux juste discuter avec mon copain. Bon, j'y retourne, hein. Yo, Cooper. Je peux peut-être vous aider? Perhaps I can help. You? A blacksmith? I could learn. Ouais. You'd be better off learning to dress properly. But I could use help with these swords. Montrez-moi les... Qu'est-ce que... Montrez-moi les astuces de Could you teach me your craft? Tricks of the trade, eh? That'll cost, mind. Okay. I'm not here doing this for the good of my health. And no haggling. Can't be bothered with that bloody long-winded nonsense. D'accord, d'accord. Tenez, voici votre heure. Commencez par m'apprendre à forger une épée. J'ai pas assez d'argent, donc qu'est-ce que vous avez? What have you got? I don't like browsers. Are you buying? Ça dépend. If they're any good, I might be. Well, take your time. It's not like I've got more important things to do than wait on you. Ouais. Allez, montre-moi ce que t'as. What have you got for sale? Sabre de pirate. Ah, j'en ai déjà un. Cimeter. Fleuret. Épée d'officier. Épine d'orage. Schéma d'un fleuret. Super cher! Tu es sérieux, toi, avec tes machins? Hein? Tu rêves? J'achète rien du tout! C'est moche! Wow. Put that away, or you might need it. Non, 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 je suis désolé. Je me suis trompé de bouton, ça va. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a les gorées. Alors là, on est en pleine exploration. Je l'atteste de cette ville. C'est très, très grand.
Je pense qu'on va passer un petit moment là ici, après on va repartir voir l'autre copain. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a par là? Youpla! Et hop, je prends tout ce qu'il y a à la maison. Merci, mes amis. J'aimerais bien que le jour se lève, ça serait cool. Je peux te faire les poches? No, I haven't got time right now. Ah, mais tu sais, il y a... toujours du temps. If it's got four legs and a tail, I can kill it. Ouais, ouais, super. Bravo, Martinez. Ouh, là, il y a un entrepôt. Là, il y a un entrepôt. Là, ça fait plaisir. Je vais utiliser le canon. C'est cool. Ah, c'est verrouillé. On peut pas l'ouvrir. Alors, où est-ce qu'il y a... Je sais pas où je vais, là, pour vous dire. Où est-ce que je suis sur la carte? D'accord. Alors là, il y a tout un petit chemin. Hop là, on va peut-être manger un petit coup, ça va faire du bien. Et on arrive à une petite plage. Une petite plage qui dit plage va me dire soit des crabes, soit des... des coquilles! Des coquilles d'huîtres! Alors. Genre! Ok, alors là, j'ai pas compris. Là où les autres fois j'avais. Ouh, ça c'est bien ça, ça c'est bien ça. Nouvelle quête, la dévoreuse dame. Ok, le coup de pied, je le connais. Salut, mec. Aïe. Et voilà. Non, mauvais bouton. Allez, viens. Aïe. Et voilà. T'as eu le coup de pied magique? Le coup de pied magique. Et c'est pas pour rien qu'on avait fait un épisode spécial massacrage de... Bon, c'est pas grave. Massacrage de... de je sais plus quoi. Alors là, j'ai la nouvelle leur. Tour pendable, anneau inquisiteur... journal. Renfort de croix. Mais on a bien trouvé un truc, non? On est d'accord? Un truc genre de dueliste? Une boucle d'oreille? Ah, mais je suis perdu moi dans tout ça là. Ça m'agace, ça m'agace. C'est pas le bon bouton. Personnage, ok. Talent, équipement. Je vais voir, mais je veux pas l'inventaire. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Anneau d'érudit, anneau de rubis. Bidi 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 bidi. C'est nul. Amulette peut-être. Amulette, non. Porte bonheur, c'est quoi l'épreuve des gars? Boucle d'oreille. Ah, c'est ça. À l'épreuve des lames et boucle d'oreille de dueliste. Bon, allez, ça sera mieux, ça fera un peu plus mal. C'est vrai que je cherche une boucle d'oreille dans les anneaux. Donc vous pourrez dire bravo Blarkan dans les commentaires. Tu es magnifique, tu es magique. Tu es surtout très fatigué. Donc voilà, c'est normal. Alors, voyons voir. Youhou! Ah, ma torche! Il est pas très gentil. Les poissons! Les poissons!
Whoa. Aïe. Tire. Idi. Allez, Jean. Saloperie de bestiaire. Oh, ça va, maintenant ces ennemis, c'est vrai, comme je vous ai dit, c'est pas ce qui est le de plus méchant ou ce qui me fait le plus peur. Les ghouls restent encore des monstres horribles et affreux, et ça me fait terriblement peur. Ok. Ah, il y a les cargaisons. Il y a même des cargaisons ici. Ah, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'une grosse quête avec plein de cargaisons, mais j'en ai pas vu là-bas. Donc... Ah, peut-être dans l'eau. J'ai pas fait attention. Désolé, faut que j'y retourne. Non, y a rien du tout. Ok, bon, bah on a fait la petite zone ici, nickel. On pourra dire qu'on l'a validée. Et on continue notre bonhomme de chemin. Et la nuit est terriblement longue dans cette dans ce jeu, quoi. C'est plus... J'ai l'impression que les jours, ça passe en 3 minutes et après, c'est la nuit. Après, voilà, c'est tu te débrouilles, tu vois plus rien. C'est bébé, voilà. Salut mec, salut Benito. You're looking at the guns. Beauties, aren't they? The muzzles were especially cast for this expedition. M'en fous, c'est moche. Got a much longer range than most deck guns. Nice. 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 What do you see here are the finest cannons ever made on Caldera. Et alors? Pourquoi ouais, voilà. Why are the cannons facing seaward? We've got muskets to keep the Moluccas at bay. But what if a ship comes? Crow's tried his luck already, cheeky bastard. But the Black Betty gave chase and sunk him. Ok. C'est tout ce que vous avez comme cadeau? Are those all the cannons? No, there's more on the towers. So we can catch the enemy in crossfire, see? Ok. Vous êtes cannonier? You're the cannoneer, right? Is it that obvious? N'est-ce pas? Just a bit. Understatement of the year, right? Fact is, sometimes I get a bit carried away. Cannons are my life, though. I love them. You know much about the sea? You look like a sailor. Ah ouais, moi je suis très balèze en bateau. J'ai servi sous les ordres du capitaine Barbassi. I served under Captain Steelbeard. The Steelbeard? You're a pirate. You've been in sea battles, then? Bien sûr. I'd love to be in a real sea battle, me. T'inquiète pas. Have you ever served aboard ship? Of course. Cooped up in the dark, being pitched this way, rolled that way. Takes a master cannoneer to fire off a good shot in that sort of situation. Okay, Benito. Don't touch anything here. Ah non, je touche rien, t'inquiète pas. Je vais juste aller visiter. Personne ne me voit, personne ne me voit, je rentre là-dedans. Je rentre dans la dedans et je... J'ouvre les coffres. Facile. Thieving swine, I'll cut your hands off. Oh. Alors attends Miguel attends. J'avais pas vu que tu étais là. Hop là. Mais non, tu fais pas. Voilà. Je fais ce que je veux. Merci, Mig. T'es gentil. Mais tout ça, c'est pour Bibi. Voilà.
Et voilà. En plus, je tue les rats, tu vois, je suis gentil. Et j'ai besoin d'une compensation. Point, c'est tout. This one's too hard for me. Oh, my poor head. Ah bah oui, ça fait mal, hein. C'est ça de m'énerver, hein. Fallait pas m'attaquer. Ah bah, offense, c'est offense. Très bien, on s'en fout. Moi, le temps que j'ai les coffres, hein, tu me diras. Ça me va parfaitement. Alors, qui est like oh, Sophia. Salut. I don't know you, do I, love? Non. It's not often one sees a new face around here. Mm-hmm. C'est la première fois que je viens ici. Langue de baleine. And whom do I have the pleasure of addressing? A man with manners. Now that is a very rare thing round here. I'm Sophia. A pleasure to meet you, darling. Oh, c'est un plaisir, ma belle. Qu'est-ce qui vous a ramené ici? What brought you? Didn't have much choice, love. The old empire's in ruins. Miguel and me, we saw the writing on the wall in Caldera. So we took the first ship out. Okay. Yeah. Tell me more about Arborea. Well, it's a big old place, Arborea. You can find most things you need here on the Sword Coast. Okay. It's not the safest place in the world. But we've got the Inquisition to protect us. D'accord. Mm-hmm. I'd like to know more about the Sword Coast. Fire away, love. Why is this spit of land called the Sword Coast? Oh, blimey, love. What a question to ask. Ah oui, moi j'aimerais bien, je sais pas. I suppose. Well, on the map it looks curved. A bit like the blade of a cutlass. D'accord. Could be worse. It could have called it the Pork Sword Coast. C'est pas faux. C'est dangereux? Pourquoi cette côte n'a pas été... Why wasn't this coast destroyed? I don't know. But just because it hasn't been destroyed doesn't mean it's not dangerous. But we've got the protectors to patrol the place. Dangereux? Is it dangerous? Well, there's wild animals for starters. Monkeys and jaguars and what have you. And then there's the Shaganumbi. Hey, ils sont gentils, hein. Savages who live somewhere inland. We don't trade with them. Moi, j'y arrive bien. I let them work for you. Any you see round here are slaves. Bon, j'aurais rien contre une boisson. Qu'est-ce que t'as à me donner? No one goes thirsty at my place. What can I do for you, love? Grog, is it? Vous avez quoi, à part du grog? What else have you got, apart from grog? Take a look, love. I'll exchange most things. But where treasure's concerned, I can pay you in gold. Sounds pretty good. Anything else you want to know, love? You only have to ask. Ok. Quel genre de trésor on peut dénicher? What treasure can you find here? The old temples are filled with gold and jade. Statues, idols, masks. Any man brave or stupid enough to go looking for treasure can end up very rich. Okay. Or very dead. Of course, if it's gold you're after, I've got a job needs to do. Je prends, dis-moi. It's not exactly a risk-free proposition. Dis-moi. Alors, fais voir. Teach me something. Everything I know, I learned at the University of Life. But I'll try. Vous pouvez m'apprendre à intimider autrui. Can you show me how to intimidate people? Why? Do you find me intimidating, love? I guess. Just make the other fella feel like you'll hurt him if he doesn't do what you want. Most folks don't want to fight after all. A grizzled old veteran, on the other hand. Best leave men like that alone. Okay. Alors, retour. Avez-vous... Is there anything particular you want to trade? Well, since you ask, love, I can always use a few decent bottles of wine. Not so long ago, this storehouse wasn't guarded very well. Most of the wine got liberated. What's that got to do with me? Almost everyone round here has a bottle stashed away somewhere. If you find one, I'll pay you well for it. Okay. What do you say? Samba. Est-ce que je peux dégoter? See what I can lay my hands on. Good. I'll be right here, love. And if you're looking for someone, you'll probably find him here. Commerçant. Let's trade. Alors, ah d'accord, avant des vêtements. Piocher, si y a OCG, carte au trésor. Eh ben, j'achète la carte au trésor. Pelger, anneau d'or étincelant.
Il y a tellement de choses que j'aimerais acheter et j'ai pas assez d'argent, c'est chiant. Merci. Radak. Hey, you know anything about a gaucho called Crow? A lava? You want to talk? Ouais. I am hungry. Bring me meat, then we will talk. Ok. Écoutez, vous ferez bien mieux de m'écouter, sinon ça va pas marcher. Maybe not. Bon, voir ce que je peux trouver. I'll see what I can find. Tenez. Here, take this meat. Tawanga, gaucho. Now we will talk. Vous pouvez m'aider à trouver Crow? Can you help me fight Crow? What are you? Look like a pirate, yet talk like a blue coat. Oh, je suis un peu un mélange des deux. Figure that out myself. Crow is a liar. Yet Bakia and the Tonkas all follow him. The way he brings with him are not good for my people. So why do they follow? He has power. He carries the spear of the Tiwas. The Titan Harpoon. Do you know what he plans to do with it? He will call the Tiwas, as it was done thousands of years ago. Ouais, it's the Tiwas. Idem, Gucho. Do you know nothing? Ah, ça va. The Tiwas are everything and everywhere. In the fire, earth, ouais, water and sky. Once titans, they were subjugated and sank into a long sleep. Titans? You're talking about the Titans? That is what the Guchos call them then, yes. What will happen when the Tiwas return? Nothing good. Not for your people or mine. The Tiwas are angry. Angry that they have been forgotten. With the spear, Crow can use their anger for himself. They will do what he commands. Alors je dois l'arrêter. Then I need to stop him. Gee, but I am a prisoner here. I cannot help you. So what should I do? Go west. Find my people. The Shaganumbi. Oh, mais t'inquiète, j'ai déjà fait, je connais Jenny. And she'll help me? Hear her words and give her your trust. Then you can defeat her. Ok, merci Radak. Si je peux te libérer, je le ferai avec grand, grand plaisir. Bon, j'en ai marre, moi, de la nuit, là. Oh! C'est pas fini? C'est quand que le jour se lève? Je peux pas aller faire dodo dans le bateau, là? Vous êtes relou, hein? Je vais juste voir un truc. Ses repères. Ok. Pensez que je... A priori non. A priori non. And where do you think you're going? Sur le navire. On the ship. J'aimerais bien dormir en no, fait. No, you're not. Orders from the commandant. Oh, vous êtes trop lourd. Une rasade de grog? Speak of grog? Don't mind if I do. Now can I go onto the ship? No. Oh, l'enfoiré! Are you gonna take a break or something? So you can sneak on? Think I was born yesterday. Well, I'll be off then. Mind how you go. Oh. Franchement, c'est pas cool, les mecs. C'est pas cool du tout. Je cherche juste un lit pour faire dodo. Pour mettre de la journée. Pour que mes viewers, ils aient... ils me disent, Blarkat, ton épisode, il était très sombre. Et on était très triste. Et du coup, on n'est pas content. Eh ben, c'est pas de ma faute, les amis, c'est pas de ma faute. C'est à cause de Manolo. Il a pas voulu que je fasse dodo. C'est pas de ma faute. I haven't got time right now. C'est pas de ma faute. On va aller récupérer le. Oh là là, mais je suis perdu, il fait pas beau, c'est abusé ça. Ça fait une heure et demie que je suis... qu'il fait nuit. Elle est où la croix? Elle est là la croix, ok. Allez, c'est parti!
That's heavy. Trésor! Nickel. Est-ce que je peux pas me téléporter du genre maintenant? Et voilà! Ah, téléportation! Oh non, pas là-bas! Go now. Ah, d'accord, je sais que j'ai pas. Be away with you. Mais je visitais. Hein, Those who sneak about are rarely up to any good. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Et on va bientôt s'arrêter. En plus, là, mes amis, je viens de voir l'heure. 1h20. 1h20 déjà. Allez, on a encore une quinzaine de minutes. Personne ne me voit, je suis même pas là, je suis même pas là. Toi, t'es un gros pas beau. Laisse-moi aller ici pour que je puisse récupérer ce coffre. Ça, c'est chiant. Et voilà! Nickel, mes amis, nickel! T'as vu ça? C'était beau! They pay me to stand guard, not talk. Oh. Et donc là, par là, c'est quoi? D'accord, c'est une nouvelle zone. Ok. Il y a encore tout ça. Ok. C'est très très grand. Alors, on va remonter vers là-haut, voir le mec qui nous avait dit « Hey, toi, tu visiteras jamais la ville !» Miguel, t'es redevenu gentil? Yes, I'm Miguel, storehouse master here. Ouais, je t'ai défoncé la troïde tout à l'heure. What can I do for you? You're the storehouse master. Could you use some cargo crates? I wouldn't say no to that. How many do you need? Well, let's see now. 10, je présume. Let's say if you can bring me 10 crates, I'll reward you accordingly. Okay. This colony, quite a place. It's a foothold, really. A base to expand out into the rest of the continent. The lowest level is in the harbor, where you'll find a gate and the storehouse. Mm-hmm. It's forbidden for you to go there, though, or onto the ship. Ouais, j'ai vu ça. The central level's the craftsmen and pig farmers. Commandant Sebastiano and his protectors are up top in the garrison. Okay. Anything else I can do for you? Okay. Pidi-pidi-pidi-pidi. Where am I allowed to go? Not into any of the buildings, particularly the storehouse or the ship. C'est un peu raté. You'd have to see Commandant Sebastiano about that. Any other entrances into this place? A path through the valley to the central level, guarded, of course. And then there's the main gate up near the garrison. Mm-hmm. That's guarded too? You even have to ask. T'as des trucs à vendre? Have you goods you can sell me? No, my wife Sophia handles that. Quoi, c'est ta femme? I thought you were the storehouse master. Like I don't have enough to do, all the paperwork and stock keeping. And since Alcazar instituted rationing, everything has to be double-checked. Bookkeeping's a very nerve-wracking business, you know. Anything goes wrong and it's me who gets blamed. Maybe they should pay you danger money. I just want people to appreciate how much work all this takes. Get people. Really are a bunch of ungrateful bastards. You said it, my friend. You said it. Et donc pourquoi il y a ce rationnement? Why the rationing? Purely a precautionary measure. It's all because of that pirate crow. Until we know how much of a threat he is, it's best to be careful. Okay. Who knows how long we might be here? Okay. T'as des trucs What sur do you crow? Know about crow? He just suddenly appeared offshore one day and attacked one of our outposts.
Only Alcazar's quick action saved the colony from being looted. What did he do? Il a tiré. Season sank Crow's ship. Pity about the provisions aboard. We could have used them. Okay. So what's Crow up to now? He's lost his ship, but he's still somewhere out there in the jungle. Pirates, there's no end to the trouble they cause. So I'd be careful if you're planning on going out there. Alcazar's playing a waiting game with him. That's why we're on rations. Ok. Alors ce mec, il est avec la nana, c'est un vieux, il est avec une jeune, bon, très bien. On a appris pas mal de choses, et notamment que... Bah, on aura la possibilité peut-être d'aller sur le bateau. Ça pourrait être cool. L'entrepôt, très bien. Alors. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de monter là-haut. Il n'y a pas un truc là-bas? Ah non, si, on l'avait déjà fait. On l'avait déjà vu. Ah bah oui, ça je sais. T'as rien d'un forgeron, ça je sais. L'arcane avec un marteau, c'est le doigt qui a mal. Salut! Je peux prendre la bière? Merci. Je reprends la bière. Merci. Ok. What have we here? Pirate, are you? Good man. Qu'est-ce que tu fous là? Well, pull up a pew and come join me then. Plenty of room. Inquisition seems fond of you. Letting you roam about as you want, eh? Bah, j'ai tué un jaguar. I'm not part of Crow's crew, if that helps. Then I'm wondering just whose crew you are part of. Je travaille en indépendant, je n'ai pas de capitaine, je suis avec le capitaine Barbed. I'm here with Captain Steelbeard. Steelbeard's here? Now that's interesting. Yeah. Pourquoi avez-vous accosté so, ici? So, why did you land here? Captain's idea. We weighed anchor in a small bay not far from here. The captain, he took off into the jungle with a troop of the lads alongside him. Vous n'avez pas suivi? You didn't go with them. Not my job. Ship's cook me. Fighting someone else's duty. D'accord. Closest I get to danger is boiling up lobsters. Nippy little bastards they are. There's a watchtower not far from that bay. Aye, manned by a couple of Inquisition novices. Easy pickings for the captain. What happened then? Well, we raided the watchtower food stores, and I started cooking up a nice stew. Okay. I mean with the Inquisition. Oh, well, we saw sails. One of those bloody big Inquisition warships. I was all for surrendering then and there. Only some bloody fool hero wanted to stop them boarding us. Full broadside of cannon fire soon put paid to him, and the rest of us. Vous êtes le seul survivant, du coup? You were the only survivor. Ship's cook. I know all the best places to hide and avoid the argy-bargy. As if we ever stood any chance against a boatload of protectors. What happened to your ship? The Ghost. At the bottom of the sea. Now, more's a pity. D'accord. She was an ugly old bint, but she always got you where you wanted to go. Sympa. Locked me up to rot here, they did. Bastards. Bon, très bien. Donc un pirate de croc qui s'est fait prendre un cuistot. Ok, très bien, très bien. Ok. Ah ah. Hey mec. Mec, je veux pas te dire, mais je suis rentré. Je suis rentré. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Heard there was a new face in town. Don't make any trouble. Oh. Comment c'est que tu vas? Hein? C'est qui le bébé? Heard there was a new face in town. Don't make any trouble. Ah ah! Eh ben tu vois maintenant que je peux rentrer. Bon, très très bien. Alors, voyons voir un peu là-haut avant d'essayer de rentrer dans la porte. Et après, on va pouvoir s'arrêter ici. Parce qu'on aura visité toute la ville. Et ça nous permettra de continuer les quêtes cette fois-ci et de l'exploration de toute la zone. Bateau! Ah, j'ose pas utiliser le canon, sinon ils vont tous débarquer pour me défoncer. Ça me fait peur, moi, ces choses-là. Attention! En mode discrétieux! Chazard! Ni vu ni connu. Personne ne me voit, personne n'est là. Ne sait que je suis là. Ouh, ouh.
Franchement, il n'y a rien dans ces coffres. Hein. C'est horrible. Ta-ta-ta-ta! Et le mec, il est en mode discrétieux, mais vous savez, avec une torche. Ouais. Même dans les recoins les plus sombres, l'Arcane essaye de piller tout ce qui se passe. After her death, he supposedly broke a tooth from her comb after every fight. When only one tooth was left, he set out for the Crystal Fortress, where he intended to finish his vendetta and then bury the comb. That might be worth remembering. Je peigne une dent. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à payer ici? Il y a des trucs à payer ici. Oui, il y a un coffre, mais il n'y a pas assez de compétences. Youhou. Salut Isabella. Who are you? Leave me alone, brute. I'll scream. Mais non. J'ai frappé. I did knock, but I didn't expect to find a woman of your stature in the garrison. I apologize profusely if I disturbed. Woohoo! Of course not. So rude of me not to introduce myself. I'm Isabella Dolores de la Florentina, salut. Daughter of the Commandant. Ça fait un sacré nom. Pleasure to make your acquaintance. T'as de l'argent? I'm not good enough to. Ah mince, ça c'est dommage. Que faites-vous donc ici? Vous vous plaisez ici? Do you like it here? Oh yes, it's so inspiring to someone creative like me. Super. We are creating a new world. Though I suppose the fact the old one is at war is less good. D'accord. Vous faites quoi réellement? Parce que je comprends pas trop. Fashion is my passion. I've been researching. I have a vision. D'accord. A new look for noble women. Leopard print. It'll be huge. Animal skins, horns, feathers. Rien à voir avec les affreuses loques des indigènes, sauvages mais raffinées. Not like the icky natives' clothes. Wild but classy. Exactly. You understand there's a market. Okay. But you'd need to get all the right equipment. Okay. Animal trophies are much sought after. Yes. But I mean, you need to remove the skins. Oh, I have both a hunting knife and pinking shears. Okay. Say, are you going to be in town long? What? You want me to help you with something? You are so sweet. Well, now you mention it. Do you think you could get me some materials for my designs? Bah ouais. Des trophées, qu'est-ce que vous cherchez? Animal trophies, I'm guessing. Well, a jaguar skin would be nice. You can use my knife to skin it. Oui, je veux bien. For accessories, I wanted some fangs and maybe a tusk. You'll need a jaw chisel for that. Des crocs j'en ai, des fangs, je suis pas sûr. It would make me so happy to have the feather of a firebird for my hairpiece. Okay. The natives could show you how. Please say you'll help me. Donne-moi ton couteau. Je ferai mon possible. I'll do what I can. Thanks. Here's the knife. Maybe I'll make you a reward. Corcheur, mais je crois que je l'ai déjà. J'ai rapporté des trophées d'animaux. I brought you some animal trophies. Show me. Une défense géante. A giant tusk. Boys, so prone to exaggeration. I suppose it'll do for an earring. Quelques crocs. A few fangs. Could you not find any predators? I mean, thank you. Lovely. Une peau de jaguar. A jaguar skin. Only a little mangy. It's perfection. Oh, I am so thankful. Une plume. A feather. It's gorgeous. And still bloody. How colourful. Well, it's enough to put together a spring collection. Ouais. You have certainly earned an additional reward. Well, it's been... Oh, c'est gentil, merci. Interesting. Et, t'as pas genre un chapeau ou un truc comme ça? Bon. Merci, enfin tout ça pour ça. Ok. On va continuer juste la visite de la maison et après on va s'arrêter ici. Comme ça on pourra redémarrer du bon pied. Je suis passé par le haut. Those who sneak about are rarely up to any good. Salut Sebastiano. You. What are you doing here? Hey, tu me reconnais pas? Don't you have a mission on Takarigua? Hey, hey. Nice fortress you have here. Yes, a great deal of work's gone into it over merci many pour la years. Clé. J'ai besoin d'une arme plus performante. I need a better weapon.
The quality of our blades is justly renowned. But I think our muskets will be of interest to you. Oui, tout à fait. Donne-moi l'autorisation. Fine blades can be forged from copper. And should you need pistol ammunition, you can stock up at Webster's. Okay. But you'll want a musket above all else. Ouais. Je cherche Crow. I'm looking for Crow. He's got the weapon I need. That devil! We sank his ship! Not that he was aboard at the time, confound the man. Now my scouts tell me he's in cahoots with the Moluccas. Gone to ground in some heathen temple of theirs. The Earth Temple, I think they call it. Et si l'arme était à bord? What if the weapon had been aboard? That weapon is the devil's work. Bottom of the sea's the best place for it. I doubt Crow would have gone anywhere without it anyhow. All he left aboard the Ghost was a skeleton crew. All dead now, of course. Except for one prisoner, Hawkins. Okay. Has Hawkins told you anything? No. He's played it dumb thus far, the insolent dog. A fellow pirate might have more luck loosening his tongue, though. Just make sure he knows what's coming to him if he doesn't start talking. Okay. I'll have a word with him. Be my guest. You'll find him at the foot of the garrison tower. Have you any idea what they're up to in the temple? There's only one reason Crow would be interested in these Moluccas. Black magic. Okay. It couldn't be anything else. Bon, je vais m'occuper de Crow, t'inquiète pas, ma poquette. I've had the temple under surveillance. Trust me, you can't do it alone. Then join with me. My duty is protecting Puerto Isabella, not attacking heathen temples. Okay. You won't have to, I can do that. You want me to hand over my protectors and leave Puerto Isabella undefended? Bah ouais. Hop là, ouais, mais du coup, toi, t'es pas l'air d'être très gentil. Est-ce que je pourrais, tu penses? I could always ask the Moluccas for help. It's bad enough that you've been knocking about with a bunch of pirates, but getting involved with those savages? If that's your plan, don't even bother coming back. Ah, ça va, ça va. A few good marksmen are all I need. But you didn't sail here alone? Where are your pirate chums? Guarding the ship. Bah ouais. Drinking themselves into oblivion, more like miserable rabble. As ever, when there's heroes' work to be done, it's all down to the Inquisition. Allez, bien sûr. Vous êtes les meilleurs, après tout. You're the best, after all. It goes without saying that the Inquisition is a superior force. But if we can't follow orders, we're no better than a rabble. Discipline. That's what it's all about. I have my orders, too. Good man. I sent a chap to scout out the temple. Let's see what he has to say first. His name's Venturo. Find out what he has to report. Then I'll decide if I'm going to help you. Où sont vos éclairs? Where are your scouts? At the Earth Temple, where Crow's hiding out. Go to the gate next to the garrison. Aguilar will fill you in. Ok, mais je t'aime. Alcazar, we might have to send a few chaps on a special mission. Yes, sir. Hop là, j'ai pris la carte. Salut, ça va? Vous pensez que je peux dormir? Bartolo! Please, don't interrupt. I'm trying to think. Un problème? Got a problem? I just need to remember something. Maybe I can help. No, it'll come back to me. At least I hope it will. If only I could remember. Ok. Allez, on fera un dodo jusqu'au matin. And what do you think you're up to? Rien du tout. Funny I could remember. Allez, on va pouvoir s'arrêter ici. Je vais essayer juste d'ouvrir le coffre et si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais quel débile! Allez.
Allez, on va faire un dodo jusqu'au matin. Et on va pouvoir s'arrêter là. Ça y est, à 1h40 pour la reprise. Sur du Ryzen, là je vous ai gâté. Après je vais aller me coucher, parce que je suis fatigué. Brosse à cheveux. C'était quoi la brosse à cheveux? Est-ce que c'est la brosse à une dent qu'on a vue? Ça m'étonnerait. Non, c'est pas ça. Ok, bon, on a pris la brosse à cheveux, ça peut toujours servir, on sait jamais. Now listen here, men. I need volunteers for a very special mission. That means the port will have fewer defenders for the meantime. So I need you all to exercise the utmost vigilance. Understood? Stand to attention. Ok. Watch it, boy. Don't make any trouble here. We're watching you. On s'en fout. Stand to attention. Bon, d'accord. Très bien, bon. On a visité tout Puerto Isabela. Il y a encore des petites choses à faire. Il y a pas mal de quêtes. On a débloqué pas mal de quêtes par rapport à cela. On a toute une zone à visiter de ce côté là-bas. Et ça fait très plaisir de vous reprendre sur du Horizon 2. Ça faisait longtemps. Donc sur cette magnifique vue du bateau et de ce port, on va s'arrêter ici. Donc j'espère que ça vous a plu. Et j'ai l'impression de me répéter. Donc c'est vrai que je commence à être fatigué. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers un commentaire de cet épisode qui n'était que trop long. Je vous fais à tous tout plein de bisous. Et à ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé. Bye bye.